Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, c'est un haul Lidl et on commence cette vidéo tout de suite. Alors pour information, je vais pas faire de l'ASMR non plus, tu vois, mais je vais pas parler trop fort parce que mon mec est en train de dormir. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure. Ce sont des petites courses d'appoint. J'en ai eu quand même pour... J'ai pris l'application pour 106,44€. J'ai acheté quelques saloperies, mais quand même. En premier, et... J'ai oublié de te dire, Teresa, Bernard, Bianca, les courses que j'ai faites, c'est pas pour ta mère, pour ton frangin, pour ton chien, pour ton berger allemand, pour ton vétérinaire, c'est mes courses à moi. Donc tes commentaires à jeu, tu vas te faire un papayoté chez les papayotes. Pour 2,49€, 89, autant pour moi, j'ai repris mes perles de lait comme ceci, comme d'habitude, parce que mon visage va se transformer. Les perles de lait à la vanille, je les adore, je les kiffe. Vous en avez 6 pots à l'intérieur, ils sont juste trop bon. Désolée si je suis sur mon téléphone en même temps, mais c'est pour vous donner les prix. Pour 2,46€, j'ai pris du PEC comme ceci, parce que j'en ai marre d'acheter le liquide vaisselle de chez Action. J'ai l'impression qu'il déclasse absolument pas. Et le PEC, rien à dire, voilà. 2200 assiettes lavées, ok, si tu veux. Je ne lave pas, mais moi c'est juste, j'ai un lave-vaisselle, je lave juste mes casseroles, mes machins, mes trucs, tu vois. Mais voilà, j'ai pris du PEC pour 2,46€. Papier toilette humide, 2,64€. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tester ça. J'ai pris du petit papier toilette comme ceci. Vous en avez 80 feuilles à l'intérieur et c'est du papier humide à l'aloe vera. Donc voilà, je me suis laissé tenter. Super la tentation, hein. On aime, on adore, on adore. Mon petit panda, 2,29€. C'est quoi ce petit panda? Ah, c'est ça, mon petit panda. 1,29€, autant pour moi. Des petits gâteaux comme ceci pour les enfants. Je me suis dit, pourquoi pas. À la base, hein, j'y allais juste pour des steaks et pour de la brioche. Hein. Mais j'ai pris ceci, c'est des petits goûters, un petit peu comme les oursons. Vous en avez 6 à l'intérieur. Donc j'ai pris ça, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. J'ai trouvé du sérum fille, c'est 1,88€. Je trouve ça pas trop cher. Et franchement, c'est trop mims. Tu sais, pour mettre... alors déjà, pour toi, c'est pas mal, tu vois. Mais pour mettre dans un petit panier exprès pour... cadeau de naissance, tu vois, tu t'achètes plein de petits goodies, ben ça c'est trop mignon, je trouve ça trop chou. Donc du coup, j'en ai pris 2. Voilà, je vous dis combien j'en ai pris à chaque fois, parce que du coup, forcément, ça justifie le prix. Mais franchement, 1,88€, c'est pas très cher. 40 de 5 ml à chaque fois. C'est des petites dosettes classiques, basiques. Mousse au fromage frais, elles sont juste là, c'est 1,67€. C'est des petites mousses à la fraise, à l'abricot ou à la framboise. C'est des petits yaourts comme ceci en format mousse. Et on n'y voit rien ici. Merci, maintenant je suis jaune. Oh là, du chocolat noir, franchement, c'est juste trop bon. Par contre, elles étaient plus chères. C'est 1,37€ l'unité. Elles étaient plus chères que les Côtes d'Or, mais celles-là, elles sont juste délicieuses. C'est des tablettes de chocolat avec des noisettes entières. Et ouais, plus chères que les Côtes d'Or. Trop bon, c'est juste, trop... si je dis pas de bêtises, peut-être que j'ai des bêtises, je sais pas, laissez-moi un commentaire pour me dire, mais je les kiffe, c'est mes chocolats préférés chez Action, je les adore. Du coup, j'ai pris de la brioche, hein. J'en ai pris 2, comme ceci, 2 brioches, les enfants, ils mangent ça le matin avec du Nutella, je sais, c'est pas très bon, moi je mange ça le matin des fois avec du beurre, demi-sel et de la confiture à la fraise, c'est juste trop bon. De la marque Jean-Pierre, maître Jean-Pierre, comme d'habitude, on a l'habitude. Ça, c'est juste une valeur sûre. Du pain de mie, toujours Jean-Pierre, hein, c'est toujours lui. C'est lui qui fait le pain, hein, c'est le mec dédié au pain chez Lidl. Et ça, c'est 84 centimes et vous en avez 14 tranches à l'intérieur. C'est très très bon. Il y a de la croûte, pour information, celle-là. Il y a de la croûte dedans. Du liquide de rinçage pour 1,93€. Comme ceci, de la marque W5. C'est quoi cette marque? Comment tu peux te dire un jour, ouais les gars, ou alors c'est 5 mecs qui s'appelaient Wilfried, ils se sont dit on va s'appeler W5, tu vois. Mais je trouve ça tellement kitsch. Le packaging et tout, je trouve ça d'un kitsch. Mais bon, 1,99€. Ah ouais, quand même, tu me diras, bah j'en ai eu pour 100€, mais comment ça se fait? Bah, j'ai acheté du saumon. J'ai acheté du saumon pour 20 balles. Tu m'étonnes. J'ai pris, ah ouais, quand même quoi, 2 tubes de saumon comme ceci. Prix choc, ouais, 9,99€ le saumon. T'en as 8 tranches au minimum. Alors peut-être tu peux avoir une petite surprise, tu peux en avoir un 9 ou 10, tu n'en sais pas trop. Hein. Mais à l'intérieur comme ceci. Et ouais, donc du coup, 10 balles. Bah, c'est normal, le saumon ça coûte cher. Pourquoi j'ai pas pris de la truite? La truite c'est un petit peu moins cher. Ouais. Donc déjà, t'as 20 balles de saumon, ok? Donc j'en ai pour 80€. Du jambon comme ceci, c'est 1,60€.
Hop, du jambon. Comme ça, vous en avez. Alors, apparemment, c'est maturité de pendant 11 mois, tu vois. Et je sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tranches, comme ceci. Ça, c'est très, très bien. Pour faire des petites sandwichs ou ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Pour 5,49€, j'ai pris 2 steaks comme ceci. Classique, basique. Ce sont des steaks de charolais, tendres et savoureux. Mon mec, quand il fait des steaks, c'est juste trop bon. J'aime trop quand il fait des steaks, donc j'en ai pris 2. Comme ceci, des burgers fourrés. C'est 3,09€. Ah ouais, quand même. J'aime bien faire les retours de course en vous donnant les prix en même temps, parce que du coup, je me rends compte à quel point c'est cher. J'ai pas l'impression que c'était aussi cher quand j'ai vu ça dans le magasin. Je crois que c'était 2€ et quelques. Mais j'ai pris des burgers comme ceci, au chocolat noir. C'est juste, ça, c'est juste trop bon. Il y en a aussi à la vanille. Ça, à la vanille, ils sont tellement bons aussi, mais je les trouve jamais chez Lidl. Mais ça, c'est une valeur sûre au chocolat noir. Hein, parce qu'au chocolat au lait, ils sont un petit peu moins bons. On va pas se le cacher. J'ai pris un petit dissolvant pour les ongles pour 1,75€. Alors, il y a l'espèce de pousse-pousse, là. Ça, c'est juste une horreur, c'est juste chiant. Mais moi, je l'enlève à chaque fois parce que du coup, tu peux le dévisser. Donc ça, c'est bien. Dites-moi si toi aussi, tu galères avec le pouce-pouce là. Moi, j'en fous partout à chaque fois. C'est juste une horreur. Et quand ils avaient fait ça sur l'eau micellaire pour les enfants, il y en avait partout sur le mur. C'est juste une horreur. J'ai pris le classique. Il y avait un doux. J'ai pris le classique. J'ai pris le bleu. On va pas se prendre la tête. Pour 2,49€, j'ai pris des petites clémentines comme ceci. J'en ai pris 6. Ouais, il y en a 6 au total. 2,49€, je trouve que ça va. Je sais pas d'où elles viennent. J'ai pas fait gaffe. Et tu sais, il n'y a pas de ticket. C'est le mec qui qui te fait ça directement sur la plateforme. Ceci, la dernière fois, mon pote, il avait ça au taf. C'est juste trop bon. Alors, ça coûte 1,79€. C'est assez cher. J'en ai pris 3 comme ceci. Mais ces petits mélanges-là, vous trouvez ça au rayon apéro, tout ça. Et il y a plein d'autres mélanges. Mais franchement, c'est délicieux. Mélange de fruits secs. C'est trop bon. À l'intérieur, t'as des noisettes, des amandes grillées et des noix de cajou grillées. Tout est grillé. C'est délicieux. Voilà, je kiffe de ouf ça le matin. Justement, avec des pertes de lait, t'en as un petit peu. J'ai envie de te dire, truc de ouf, trop bon. Des kiwi gold de 2,49€. Comme ceci, vous en avez 3 à l'intérieur. J'en ai pris 4. J'en ai pris 4 pochées. Voilà, donc forcément, ça fait monter le prix parce que les kiwis, ça coûte assez cher, surtout les golds. J'avais envie de me faire du Saint-Mauré, justement. J'aime faire des wraps avec le saumon. Saint-Mauré 3,39€, comme ceci. J'ai pris un gros format, un format 300 grammes. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai craqué pourquoi ? J'ai craqué pour ceci. 5 balles la poule, 4,79€. Regardez-moi, elle est pas trop chouque. Elle est trop belle. Elle est trop canon. Vous avez vu mon retour de course Aldi, je vous en avais parlé, et du coup, je les ai vus à Lidl, j'étais obligée de les prendre. Les deux ont le même motif, parce que j'en ai pris 2, qui font un petit clin d'œil. La petite poulette, je l'ai trouvée trop choute. Des petits Mikado, c'était en tête au niveau des caisses. J'ai pris 1,29€, j'en ai pris 2, comme ceci. Ça, c'est la base, c'est le feu. Chocolat au lait. Je sais pas si ça existe au chocolat noir, mais ça c'est juste trop bon. Ça part très très vite aussi. Ça c'est délicieux. Et j'ai. On ne les a pas comptés. Est-ce que tu me les. Je suis en train de regarder mon truc. Ah non. Attends, Kinder moulage poule, c'est ça. Kiwi mélange, nani 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 nana. Eh dis donc. Eh dis donc. Je suis en train vraiment de visualiser le truc. Trop bien. C'est trop bien. Ok, il y a ça. J'ai ça gratos. Il ne les a pas comptés. J'ai pris 2 maxi surprises comme ceci. Miraculous, il y avait aussi Avatar, mais je me suis dit Miraculous, ce serait sympa. Hop, les deux sont comme ceci. Pour mes enfants, par contre, les poules, hein, c'est pour moi et pour mon mec. Hein. Tu me piques pas ma poule. Hein. Faut que mon mec et moi, on tombe dessus avant que ce soit les enfants. Tu vois. Donc ça va être compliqué. Donc les petits cadeaux, des petits Kinder surprises comme ceci. Et c'est cool, j'ai eu ça gratos. Qu'est-ce qu'il y a? Je pèse dans le game. Les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis, et voilà, et voilà, et voilà, la 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 la.